Bonjour, mon nom est Mao Kwanani. Bienvenue à ce numéro 40 d'un lundi inspiré. Waouh, 40 numéros déjà. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bontés, pour sa fidélité. Que son nom soit béni, lui qui tient en vie ce projet jusqu'à présent. Et merci à vous également pour votre fidélité, pour votre engagement. Que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et puis d'aimer notre page Facebook. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour être notifié à chaque fois que nous uploadons des vidéos. Que l'Éternel vous soutienne dans votre engagement au nom de Jésus-Christ. Amen. De quoi est-il question aujourd'hui dans lundi inspiré 40? Frères et sœurs, je voudrais m'écrire. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Nous pouvons nous écrire. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nos cœurs sont dans la joie. C'était Psaume 126, 1 à 3. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a-t-il jamais surpris? Dieu s'est-il jamais manifesté dans ta vie alors que tu ne t'y attendais pas? Le psalmiste dit dans le passage biblique que nous avons cité tout à l'heure, Dieu nous a surpris, on ne s'y attendait pas. Dieu nous a délivrés de la captivité, Dieu nous a accordé la restauration, Dieu nous a accordé la délivrance, la libération. Nous ne nous y attendions pas. Et tout à coup, sur nos lèvres, on avait des cris d'allégresse. Sur nos lèvres, on avait des chants d'allégresse, des chants de joie. Nos cœurs étaient remplis de joie. Les gens voyaient tout autour de nous que Dieu nous a fait de grandes choses. Et nous pouvions nous écrier nous-mêmes, Dieu a fait de grandes choses pour nous et je crois pertinemment que ça peut être mon histoire et c'est déjà mon histoire au nom de Jésus-Christ. Je me dis, Dieu m'étonne, il met sur ma bouche des chants d'allégresse, il m'étonne, il met dans mon cœur des cris de joie et je m'écris vers lui, Dieu m'a surpris et je prie, je demande que ce soit ton histoire aussi, mon frère, ma soeur, que Dieu te surprenne, que Dieu vienne dans ta vie. Transforme une situation, que Dieu entre dans ta vie, change une situation, restaure, apporte la délivrance, que tu sois surpris dans ta famille, dans ton emploi, à quelque niveau de ta vie que ce soit, et que tu puisses te dire, Dieu m'a surpris, Dieu a mis des chants d'allégresse dans ma vie, Dieu m'a surpris, et voilà des témoignages que je rends pour rendre gloire à mon Dieu. Et les gens diront tout autour de nous, Dieu a fait pour eux de grandes choses. Nous nous écrirons nous aussi, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Qu'il en soit ainsi pour nous, frères et sœurs, au nom de Jésus. C'est ma prière pour chacun de nous. Soyons fortifiés, frères et sœurs, parce que Dieu est sur le point de surprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.